Salut à tous, salut à toutes, c'est Scalaire64 pour Build Industry, épisode 15. Et oui, ça y est, c'est reparti, j'ai réglé quelques petits problèmes de lag que j'avais. Et trois bâtiments ont poussé, enfin trois bâtiments. Donc nous allons avoir ici certainement une culture de blé. Qui va être dans le même patron que la culture de... Je vais pas réussir à le dire. La culture de Pete et donc le bâtiment dans lequel nous allons nous occuper, peut-être celui-ci, la raffinerie, et ici ce sera une petite ferme à moutons. Bon, on voit plus ou moins comment c'est fait. Alors le bâtiment ici n'est pas totalement fini au rez-de-chaussée, mais autrement toute la partie dont on va s'occuper est finie. Alors on va s'occuper des quelques crafts dont on aura besoin. Ça commence comme ça va pas finir. Hop, je ne sais plus. Alors, elle est toujours aussi vide cette maison, il faudrait que je l'aménage. Donc comme on voit, ça fonctionne à plein régime. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir besoin? Alors j'ai prévu déjà un medium voltage et d'un large electric engine. En suivant, nous allons avoir besoin de ce petit sac, ce sac gris avec deux téléport pipe et deux golden waterproof. Alors, on va faire une petite chose, c'est poum poum poum. Je vais aller vérifier ça l'étage. Si j'ai mis les ballons de cette pipe au niveau des cuves. Oups. J'ai dû les mettre hein, parce qu'ils ne sont pas là. Ouais, il faut exactement 24 ballons de cette pipe. Pour les deux cuves, celle qui contiendra l'essence, enfin l'essence, l'essence, si on peut dire ça comme ça. Et pour la deuxième cuve qui contiendra donc les je vais réussir à le dire. L'huile, enfin le pétrole. Hop, mais non, je l'avais pas fait, comme vous le voyez, poum poum. Alors elle ne voulait pas se poser. Alors j'ai toujours autant de problèmes avec les téléport pipes qui disparaissent. J'espère que ça sera réglé à la 1.3. Parce que si de toute façon à la 1.3, comme j'ai dit, je vais passer certainement donc à la saison 3 après avoir bouclé la plupart des énergies et certains crafts. Ce qui m'énerve, c'est qu'on voit rien ici en plus. Donc certains crafts et oups. Alors on va créer un canal sur le le 3, on va l'appeler pétrole. Je sais pas écrire, c'est pas grave. Add passeur truc. Et on va aller monter notre petit ami. La pompe. Avec, je ne sais pas moi. On va voir ça, on va déjà peut-être y mettre nos fameux téléportiseurs et ma source de pétrole la plus grosse que j'avais trouvée était ici, enfin la plus proche déjà. Je sais qu'il y en a deux là-bas, une là, une là, une là-bas, et il y en a plus loin là. Donc pas mal de sources exploitables. Je vais vérifier un truc. Je repasse en peaceful parce que j'ai eu un petit problème de cripple.
qui venait m'embêter. Ouais, donc on va prendre des blocs de construction et on va faire ça. Bon, par exemple, en marbre, on s'en moque un petit peu. Dès qu'il va s'ouvrir, voilà. On s'en moque un petit peu. Alors, on va d'abord placer notre téléportise avec le petit accent qui va bien. Là. Et voilà, comme ça ces chunks sont load et on va pouvoir construire. J'espère que le son n'était pas trop fort, je l'avais vérifié. Notre petite pompe, notre petite amie la pompe, elle est ici, la pompe qui nous servait pour la lave. En suivant, il va nous falloir qu'on pose le moteur juste à côté. Alors, par contre, mon problème c'est que lui demande un refroidissement. On va d'abord s'occuper du refroidissement. Enfin, tout d'abord d'avoir la sortie de source. Et on va s'occuper du refroidissement juste après. Le pétrole source. On sera false. Et notre petit levier qui va bien. En suivant le refroidissement. Refroidissement. Pas pouvoir faire grand chose sans téléport pipe. On va aller chercher. Non, c'est pas ça que je vais faire. Et voilà, j'ai pas mis un peu plus tard. Non plus. Voilà. Vous voyez, hein, vous l'entendez, elle fonctionne. On va aller chercher de quoi refroidir notre petit moteur sinon il va exploser. Il va exploser sinon. Ah, par contre, excusez-moi, c'est mon téléphone. Voilà. Lag. Voilà. J'ajoutais une recette, du moins, de ce moteur-là, qu'on en verra plus tard. Et on va demander pas des téléport pipe. Pas ceci, cela. Le temps que je reçois. Et en fait, j'en ai là. Et on va le prendre avec nous. Il y aura une. Il va arriver. Il faut crafter. Voilà. Je préfère l'attendre. Parce que du cactus, j'en ai pas beaucoup. Va falloir que je pense à faire une ferme. Enfin, je dis j'en ai pas beaucoup. J'ai un désert à côté. Mais j'en ai pas beaucoup. Du moins dans mes coffres. Mes petites lucioles qui font mal quand on les tape. Si vous me dites que le moteur a explosé pendant que j'étais pas là, il va y avoir un problème là. Non, ça. Par contre, la source elle prend un coup là. Oula. Alors il nous faut un téléport normal. Hop, allez. Je trouve ma souris un peu lente. Mais c'est pas grave. Hop, tank au receveur tru. Perso de l'eau, c'est génial. On va faire un petit tour dans la source. Si on y voit quelque chose de bon, c'est pas grave. On va aller voir si ça se remplit à notre tank. Et vous voyez ici le patron, enfin, normalement il y a les deux branches là qui vont s'ajouter. Du haut du bâtiment de la saison 3, ça vous donne une idée de la forme, il sera peut-être un petit peu plus grand. Mais ça sera donc le point émergent du bâtiment
Alors, mon pétrole. Mon pétrole, mon précieux. Ah, mon précieux, il est là. Il n'y a rien qui arrive. Il y a du pétrole, mais il n'y a rien qui arrive. C'est bizarre ça. Ah, si. Alors, j'ai pas voulu creuser plus en fait ici parce que je me disais, je vais tomber sur ma source de pétrole et là, je vais avoir un gros problème. On va aller dormir et c'est au tour du bâtiment de se faire une petite jeunesse. Enfin, d'abord les crafter, après une petite jeunesse, c'est mieux. Si on n'a pas ce qu'il faut. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai la barre de faim qui se barre pire que vite. Très vite. Alors. Comme craft, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, chut. Tac. On va avoir besoin. Tac, 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 tac. Il est. Ici, le raffine, la raffinerie. Il nous faut 3 tanks. Donc 3 tanks, il va nous en falloir 2. Ok. Donc, il nous en faut 6. Après, il va nous falloir 4 torches de redstone. Il va nous falloir 2 comme ça. Hop. Hop. J'ai pas reçu mes... De raffinerie, vérifions qu'on ait assez de tuyaux. Des wooden waterproof. Ah, on n'a plus qu'un wooden. J'ai 6 moteurs, j'avais qu'un wooden. 5 comme ça. Alors, certains trucs, c'est très rapide, d'autres rien, il veut rien savoir. Par contre, voilà, petit retardataire, des leviers, il faut de la cobble, bien sûr, j'en ai pas. Mon sac noir, non, ça. Oh là là. Ah mais. Qu'est-ce que je peux être bête. Poum 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 poum. Poum 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 poum. Des quêtes simples, ce qui me reste. J'ai 3 quêtes simples. Golden, ça suffira pas, mais c'est pas grave. On va en faire. Alors, il me fallait un comme ça. Parce que oui, j'ai des. Je me suis aperçu là, juste en regardant, que celui-ci avait disparu. Ou alors, je m'en suis servi pour faire quelque chose. Ah, mais non, j'ai dû m'en servir. Et je vais demander 3 guettes simples. Oh bah. Et disons, faut se dire que tout est en route. Hop. Ah, j'ai plus de quoi faire des guettes. J'ai plus de chipset en redstone. Voilà. Déjà, on a 4 moteurs. Je préfère en avoir 3 par un. Oula. Ça pompe sur le circuit, ça. Pendant ce temps, on va faire les golden waterproof. Golden waterproof, golden waterproof. Il nous faut de l'or pour ça.
Par contre, des fois, je trouve qu'il a un peu de mal avec le multi. Le multi-requête. Oula, je vais manquer de faire une bêtise. Allez, je vais demander la redstone que je veux en fait. Allez, on va faire 22 en redstone comme ça. On sera tranquille. Ça sera fait. On aura plein de golden. Là. Hop, 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 on arrête. Il va me faire mes deux guettes. Pour l'instant, on va faire tout ça. Allez, boum, 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 boum. Alors, déjà, à savoir, la glowstone, je vais la changer par des lumières de soit industrial craft, soit de red power. Alors, je pense qu'on va prendre ces deux-là et les descendre ici, juste en dessous, pour faire deux fois. De lignes, deux fois de lignes à partir de là, j'aurai un passage de 3 ici. Et comme ça, là, je descends directement des câbles. Oups. Pourquoi j'ai fait de vie alors que je viens de faire des guettes? Oh là là. Ça perd ma mémoire. Boum. Et voilà. Mes câbles. J'espère qu'ils arriveront à gérer 3 moteurs. Ça, 1, 2, 3. On va les poser en hauteur. Parfois, je fais de belles bêtises parfois. Ah oui, il faut qu'on ait posé 3. Ça, j'ai plus qu'un moteur à retourner. Je crois que je vais faire passer l'eau par en dessous. Et les raffineries sont là. On va se heurter au même problème que dans la maison avec les recycleurs, c'est que le soleil, eh ben, il est là dans la journée, mais le soir, rien. Des gros nœuds. Normalement, ça devrait faire court-circuit, mais ça va pas consommer, hein. Rien du tout. Je vais où là? Hop, 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 demi-tour. Je vais mettre en dessous.
câble 1, 2, 3, les câbles. Les tuyaux d'eau dans ce sac. Alors, est-ce que je vais m'en servir peut-être comme source de... Je pense m'en servir peut-être comme source de courant alternatif. S'ils produisent assez. Enfin, du moins trop. Je vais m'en servir comme courant alternatif pour le... Pour d'autres appareils, style les appareils que je m'insère pas souvent, les lasers et autres. Et ça. Alors on est à combien de temps? Telle est la question. 21 minutes. Alors. On devait mettre l'eau. Par contre, ça va devenir problématique d'avoir une seule source. Donc eau. Une seule source, voilà quoi. Je sais pas même pas si elle monte difficilement, mais elle monte. Au fait, pourquoi j'étais absent là sur la chaîne en ce moment, c'est que j'essayais d'apprendre à la création d'un mode. D'abord, là, j'ai déjà commencé donc par un petit mode personnel. Ça lag. Un petit mode personnel sous mode loader. Et là, je vais essayer de me concentrer sous Forge pour peut-être l'ajouter dans ma série. Pourquoi pas, toi, host. Toi, host. Par contre, je trouve que c'est pas beaucoup éclairé par rapport au nombre de glowstone que j'ai eu. Alors ça va être deux fois le même patron. On va poser. Les deux raffineries. Nos tuyaux waterproof. Là, il va me falloir donc 1, 2. Moi, je le fasse passer par au-dessus comme ça. Ça va être moche. Il faut que je le fasse descendre par en-dessous. C'est que j'ai un trou là. Ça. Mais, si je fais pas de trou, je vais pas savoir où ils sont. Hey, toi, m'a fait peur. T'arrives souvent, toi? Méchante. Alors, 1, 2 pour le... Et une pour le pétrole, donc ça fait 3. Oui, je sais compter jusqu'à 3, bravo. Oups. Ding. Mais... Sérieux le truc, voilà. Je crois qu'il en a marre de moi. Oh, tout pile. Bravo à moi. J'aimerais que pour ça. Alors là, ça va être à nouveau sur le 4. Ça va être... loin d'être sûr que ça s'écrive comme ça. Alors, tank, ça, c'est bon, on dirait. Et en fait, j'ai pas été bon. C'est bon. Ah là là. Il faut la sortie de la source des... Oh, toi, je t'ai vu. Juste une petite piqûre de rappel là.
On a craft, boum 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 boum. Ding. De wooden waterproof plus un levier est égal. Ah, ok. Hop, comme ça, ça c'est bon. C'est bon. Donc il manque juste celui-ci que j'ai à crafter. Et on va les faire ça. On va les faire plein de leviers. Alors, par contre, il n'y a pas une porte à mes bâtiments, pas une. Alors que j'y pense. Ça, c'est bon, c'est vide. Allez, hop. Ça, je crois qu'il connaît le craft. Wooden waterproof, il m'en faut 4, donc de levier. 2 pour l'un. Une pour les sources. Et c'est bon. Après, on va faire 3 leviers. Et moins 2 au moins. Par contre, c'est long à arriver. Pour l'instant, on va ranger ça. Tac. Où je vais moi? Ah, d'accord. Si je tape pas dessus, ça pique. En fait, j'avais bien calculé le nombre de leviers qu'il me fallait. Allez hop, descente aux enfers. Alors par contre, à tes, ce que j'ai à faire pour ma construction, c'est si ça spawn sur les demi-dalles. Là, ça va être sur le 5. Tank. Et pareil à recevoir. Okay. En fait, je peux laisser ouvert parce que de toute façon, il n'y a rien en face. Et ici, ce que je veux, c'est qu'ils reçoivent juste. Donc, il va me falloir n'importe quel waterproof me va. Ça sera suffisant. J'ai pas d'autres waterproof que ça. Bon, je vais en faire un autre. Ça coûte cher ce waterproof à force. Alors vous devez rien y voir, je suis désolé. Lui va recevoir. Voilà, là vous devez déjà y voir mieux. Comme je vous ai dit, le fond et le deuxième étage n'est pas tout à fait fini. Hop hop. Oh. Tu me dis coucou quand t'as touché le sol. Alors, pétrole tank. Pétrole tank, tank pétrole. C'est mon moteur là. Histoire de voir ça fonctionne. Ah, c'est mon moteur.
Vu depuis quand tu voles pas du coup. Alors, nos guettes. Notre petite guette, moteur safe. Engine safe, émet un signal redstone. En fait, je crois que deux, ça suffit. On va voir. Allez! J'ai pas de compteur de kilojoules, mais faudrait peut-être. C'est parti. Ou quoi? Te bug. Je crois qu'on peut pas faire mieux là pour l'instant. Ah oui, je n'ai pas dit où aller. Hop, 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 hop. Voyez? Quand ça fait ça. Pleine nuit, on est à moitié en train de faire une crise cardiaque. Ah non, ça bruit, c'est où doit aller? Hop, creeper, ah bah non, vous voyez là. Creeper, creeper, creeper. Bon, je me souviens, ça one. Ah, c'est redoutable la star. Je me souviens même plus du nom. Red, la Morning Star. Elle est très 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 efficace. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Si on a le temps. Hop. Ouais. On a largement le temps encore. Alors, on a largement le temps, pas trop, mais on a le temps encore un petit peu. J'ajouterai donc les deux guettes. Vous voyez plus ou moins le montage. On peut pas faire plus simple. Et de l'autre côté, peut-être faire la même chose. Wow. Est-ce qu'on a encore du pétrole? On en a un petit peu. Alors, on voit nos réserves juste. Je sais pas si elle manque cette descente. En tout cas, elle quelque chose. C'est déjà un beau début. Ah là là. Elle quelque chose. Celle-là, fallait la sortir. Oh, je les aime pas ces bestioles. Ben on n'aura pas le temps, on s'occupera de la ferme la prochaine fois. Je vais devoir investir dans un four en réanimateur parce que pour un craft de nouveaux items Red Power, on aura besoin d'un four et je n'ai plus de place pour les recettes. Oui, on va faire un timer. On va faire une récolte automatique avec nos moutons. Alors là, par contre, ça va être. Ah! En fait, il n'est rien du tout le truc. Il n'est rien du tout, oui. Je ne trouve plus comment. Je ne peux pas le ramasser, lui. Non. Donc à toi, je peux te couper. Toi, je peux te couper. Bizarre quand même que là il soit noir et il soit noir à un des moments il soit c'est quoi c'est bizarre mais oui
faute, elle a un point 3. Oups, j'avais oublié que ça faisait ça. Vous avez rien vu, hein? J'ai juste un gros trou. Hop. Bon, je vais sortir mon sac noir parce que là, ça va pas être gérable. Là, c'est déjà mieux comme ça. Putain, elle a disparu. Peut-être la mettre là parce que sinon pas gérable. Hop, medium voltage, tu viens. Source suivante. Avec quelque chose d'autre. Bon, en fait, on va juste déplacer la source pour le dernier épisode. Enfin, pour le dernier épisode. Pour la fin de cet épisode, c'est déjà mieux. J'ai dû vous inquiéter. Quoi, c'est la fin déjà? Non. On va faire encore quelques trucs. Mais si je compte changer, c'est à cause de certains peur de non-compatibilité, surtout de la map, parce que il y aura l'échange et là j'aurai qu'une émeraude. J'ai découvert la moitié de la map. Et comme je l'ai expliqué dans l'épisode Rage, il y a certaines choses qui sont un petit peu gênantes. J'avais une source de pétrole ici. Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est depuis quand que ça a disparu les sources, celle des pop? Puis c'était dur de la rater. Ah, non, en fait c'est moi qui abruti, c'est pas la même chose. Allez. On va reposer tout notre petit tralala. Tac. Cette fois, je vais pas m'embêter. Bon, la source est où? La source est là. Direct la pompe et le moteur. Pompe. Valve pipe, on s'en moque. Les deux TP. Fonctionne très bien, je trouve, ces moteurs. Vas-y, moi, toi. C'est une bonne idée. C'est parti. Hein. Nous allons regarder doucement cette source disparaître. Pendant que nous nous disons au revoir, et ben, j'espère que ça vous aura plu. Autrement, ben, si vous avez aimé la vidéo, vous savez comment me le dire. Hein. Mettez un pouce vert et commentez si vous avez quelque chose à dire. Si vous n'avez pas aimé, ben, dites-moi au moins pourquoi, ou mettez un pouce rouge, mais si vous mettez un pouce rouge, dites au moins pourquoi. Sinon, quoi d'autre donc, je vous ai donné le programme dans l'épisode Rage, c'est-à-dire que le lundi, nous aurons du Build Industry. Le mercredi, si je me souviens bien, nous aurons du Guild Wars. Le vendredi. Ça sera donc le Serious Sam. Et donc j'ai oublié le quatrième jeu. Ça commence bien. Du Sniper Elite pour le dimanche normalement. Voilà. Vous avez à peu près la liste de ce qu'il y aura. Alors, cette source se vide doucement. Et voilà.
Pendant que le pétrole sera finalisé, je vous montrerai les réserves la prochaine fois, en espérant que c'est bien augmenté. Et nous occuperons donc de ça. En fait, non, on va pas s'occuper de ça. Bah voilà, on fera le prochain épisode, je vous montrerai et on augmentera aussi la taille de ça, soit dans le prochain, soit celui d'après, de mes petites abeilles. Donc on va se dire au revoir et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Bulle d'Industrie. Allez, à plus, c'était Skydark64 pour Bulle d'Industrie, épisode 15.